Le hasard fait souvent bien les choses, tandis que paraissaient il y a peu chez Séguier les mémoires du peintre et dandy Bernard Boutet-de-Montvel, la librairie Villabrona accrochait à ses cimaises un rare dessin illustrant l'un de ses passages et de belle façon encore. Bernard avait un aîné, Roger, dandy, anglophile, charmant homme de presse, modèle comme son cadet de leur peintre de père Maurice et, par-dessus tout, âme sœur de son frère Bernard. Or, Roger fut seulement blessé à la jambe, à Ypres, le 14 novembre 1914. On le lit dans les mémoires de Bernard, on le découvre dans l'encre de Chine de l'illustrateur André-Édouard Marty, qui, lui aussi comme les deux frères, appartenait à l'aréopage de la Gazette du Bon Ton. Le tableau teint est d'autant plus épatant qu'il suggère l'assaut en n'en montrant rien. Tandis que les poilus continuent leur course vaine contre Arès, un trou d'obus silencieux et immobile raconte pourtant tout de la mauvaise blessure que découvre précautionneusement le soldat Boutet-de-Montvel dont le paquetage révèle le nom. L'herbe gorgée du goût des cendres, l'horizon monochrome sans joie procuré par l'encre de Chine figure bien une guerre qui ne peut cependant pas ternir l'amitié qui émane de cette scénette tracée à chaud par un illustrateur pourtant tenu au minimum pictural. Cet épatant dessin est visible et disponible à la librairie Villabrona.